Bonjour, sur cette vidéo, nous allons vous présenter notre fonctionnement en plan de travail commun en SVT et physique-chimie. On distribue aux élèves un document unique, SVT physique-chimie, que l'on a appelé un plan de travail. Sur ce plan de travail, donc, on a d'abord le rôle que les élèves vont avoir au sein de leur groupe. Ils ont choisi eux-mêmes ce rôle. Ils ont 4 rôles donc, à choisir. Il y a ensuite la liste des activités en physique-chimie et en SVT. La tâche finale sera faite à la fin du chapitre, à la fin du plan de travail, qui permet de mobiliser les notions vues pendant ce plan de travail. Une tâche finale, c'est par exemple la réalisation de maquettes, d'affiches, d'exposés, etc. Les élèves ont également des ressources à consulter. Ce sont des vidéos de cours à regarder à la maison. Le cours est également à recopier à la maison. Il est en ligne, donc il y a le cours de SVT, le cours de physique-chimie. Il y a aussi une partie « Je m'entraîne ». Il s'agit de faire des évaluations blanches qui seront donc faites par les élèves, corrigées, mais qui ne seront pas notées. Le but étant donc de s'entraîner pour l'évaluation finale. Nous allons également proposer aux élèves des quiz qui permettent donc de faire des révisions sur la leçon. Et enfin, un récapitulatif des savoirs et des savoir-faire que les élèves auront acquis lors du chapitre. Pour accéder aux ressources, les élèves vont avoir plusieurs possibilités, soit en passant par Pronote à l'aide d'un lien, soit sur le site du collège en se connectant sur la partie projet sciences dans les disciplines, ou alors en accédant via le QR code ou le lien cours qui figure sur la fiche qui est collée dans leur cahier. Lorsque l'on arrive sur le portail de ressources, ils vont avoir accès à plusieurs rubriques, le calendrier qui va leur permettre de se rappeler à quel moment ils vont devoir faire les différentes tâches. Ils vont aussi pouvoir accéder aux différentes ressources, qui sont la plupart du temps des vidéos qui dureront moins de 3 minutes, donc en physique-chimie et en SVT. Ils auront aussi accès au plan de travail en ligne, c'est-à-dire la première page, mais aussi les activités. Et enfin, ils auront accès aux cours qu'ils devront recopier, sachant que l'intérêt de passer par cette interface, c'est qu'elle fonctionne aussi avec les téléphones ou les tablettes. En classe, nous fonctionnons donc en groupe de 4. Les élèves disposent d'un tableau par groupe, donc sur lequel ils peuvent travailler ensemble. Ils ont des badges pour identifier les rôles de chacun. Et nous fonctionnons aussi avec des tétraèdes. Les tétraèdes permettent d'appeler le professeur en fonction des besoins, avec une indication de couleur. L'évaluation qui est menée dans ce projet, c'est une évaluation positive, à savoir que l'on va évaluer l'investissement des élèves avec des règles assez simples. À chaque séance, ils sont évalués sur 2 points et sur des critères du nombre de remarques, leur note pourra baisser à 1 ou à 0. Il y aura aussi des quiz de remédiation qui auront lieu lorsque le cours devra être écrit à la maison. Il y aura aussi donc des quiz notés en reprenant les questions du quiz de remédiation. Enfin, on a déjà parlé de l'évaluation blanche qui permettra de préparer l'évaluation notée finale qui ressemblera assez grandement à l'évaluation blanche. Merci pour votre attention et on vous souhaite une bonne année.